m'appelle Didi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je vis en Angleterre, je suis adoratrice, auteur, compositeur. C'est du gospel coloré de pop, de soul, un peu de R&B, un tout petit peu de jazz aussi, en tout cas très, très coloré, avec un soupçon de musique africaine, de beat africain que vous allez pouvoir aussi découvrir dans mes compositions. J'ai eu la grâce d'être née dans une famille chrétienne où la musique a joué un rôle très important. Depuis mon grand-père, ma mère, mon père, j'ai été donc élevée dans cet environnement musical qui, bien entendu, a eu une influence sur moi et a développé ce don qui était caché en moi, qui l'a fait juste ressortir. Pour l'instant, je suis mère de 4 enfants. Ma dernière, elle a juste 3 mois. Donc, je m'occupe principalement d'eux en ce moment. Le processus en matière de composition, en tout cas pour ce qui me concerne, il est vraiment très aléatoire. J'ai rarement eu des chants en entier. Donc bien souvent, j'aurai probablement la mélodie que je vais tout de suite enregistrer pour ne pas l'oublier, ou bien je vais avoir des paroles dépendant des circonstances dans lesquelles je me trouve au moment où je commence à écrire ou bien au moment où je reçois ces paroles-là. Donc c'est après, si vous voulez, que je m'assieds et puis bon, l'un dans l'autre, je me rends compte que c'était la mélodie que j'avais entendue, c'était les paroles de ce chant. Donc du coup, c'est vraiment très aléatoire, encore une fois. C'est du quotidien. Donc ce que je vis au quotidien, ce que je vois des personnes vivre au quotidien, c'est de cela que je m'inspire pour écrire. J'ai récemment sorti cet album qui s'appelle Réflexion, un album de 10 titres. Donc concernant l'album Réflexion, nous avons fait la dédicace et la sortie de cet album-là le 29 juin dernier, donc il y a quelques mois. Et entre-temps, j'ai eu ma petite fille. Donc du coup, on reprend seulement la promotion et la publicité de cet album-là maintenant. Donc dans les mois qui suivent, dans les jours qui suivent, vous allez pouvoir découvrir tous les 10 titres de cet album-là. En profondeur, en fait. Et je crois que ça va être une bénédiction pour chacun d'entre vous tous. Le 29 avril dernier, c'était le lancement de cet album-là, donc de ce projet Réflexion, l'album de 10 titres. Et le Seigneur s'est glorifié, c'était un moment merveilleux dans sa présence. Et vraiment, je bénis le Seigneur et je remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce jour-là. C'était au Pullman Hotel, à King Cross, Saint Pancras. J'ai pu avoir avec moi tous mes amis, le pasteur Marcel Bungou et quelques amis en tout cas qui sont arrivés de la France pour me soutenir. En tout cas, Dieu vous bénisse encore pour ce moment-là. Je dirais organisation est le mot-clé et priorité. Donc quand on connaît ses priorités, on s'organise beaucoup mieux.
dans 5 ans, je me vois impacter les nations. Si je dis je me vois, ça n'est pas moi que je vois, mais je vois, je veux, ce que je veux voir, c'est l'œuvre que le Seigneur aura déposée, cette mission. Je veux pouvoir voir les fruits de la mission que le Seigneur m'a donnée, en fait. Donc, dans 5 ans, je me vois en train de récolter les fruits de cette mission-là. Quand vous avez été où j'ai été, quand vous avez marché dans mes chaussures, et quand le Seigneur vous a trouvé dans l'abîme, dans la détresse, au plus fort de la détresse, au plus fort des difficultés, et que le Seigneur vous prend, qu'il vous lave, qu'il vous pardonne vos erreurs, qu'il vous purifie, qu'il vous établit et qu'il vous donne une mission, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de vous asseoir. Parce que ça coûte trop cher. La grâce de Dieu, elle coûte trop cher. Du coup, tout ce dont j'ai envie, c'est vraiment de pouvoir vivre, faire ressortir ce que le Seigneur a déposé à l'intérieur. Ça coûte, mais c'est ma raison de vivre. Ce chant, je vais chanter. Donc, c'est le titre numéro 6 de l'album Réflexion et c'est mon unique parce que c'est effectivement ce qu'il est pour moi. Tu es le seul Dieu et hormis toi, il n'y en a point d'autre. Tu es le seul Dieu, je n'ai personne d'autre que toi. Tu es le seul Dieu, et hormis toi, il n'y en a point d'autre. Oh oui, tu vaux mieux que tout.